Alors salut à tous, on est dans le deuxième épisode de Copa Vlog. On est à Miami, Fort Lauderdale, Sunrise. On n'est pas à Miami exactement, mais on est à Fort Lauderdale. Donc voilà, on va jouer la Colombie dimanche. Donc on continue notre préparation tout doucement pour la Copa América qui commence le 4 contre le Pérou. On est arrivé à Miami, follow the dough. On va manger. Bison, enfin. Prêt pour le match de demain, la Colombie? Toujours prêt. C'est quoi tes impressions sur le stage jusqu'à présent? C'était un bon stage. C'est bien préparé. Ouais. Là, on va commencer les choses sérieuses. Ok, bien sûr. Là, on va manger. Il est quelle heure? Il est. Je sais pas quelle heure il est. Il est à la nuit, je crois. Une heure. Midi et demi, une heure. On a entraînement après. Bah, bon, on va regarder la Ligue des Champions, bien sûr. Comme il a bloqué sa tête, il a tortue colis, mon rein. Il a tortue colis. Dans 10 minutes, 339. Ah bah, je prends le contrôle maintenant. Je sais pas si on est où dans sa chronologie là, mais on sort du petit déj, on va faire une petite marche pour se préparer pour le match. Un gros match qui nous attend. Tu te sens comment pour le match? Je me sens frais. Je suis prêt pour faire des grandes choses ce soir. Comment le match? Ouais, bon résultat ou pas, l'essentiel c'est de se préparer à la compétition, c'est pas maintenant, t'as vu. Ah mais ça va venir vite là. Ouais, mais nous aussi on va venir vite. Tu sens comment le match aujourd'hui, Donald, contre la Colombie? Bon, on va jouer avec la Colombie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se perdre. On doit avoir un résultat positif, quoi. Tu penses qu'on va gagner le score? Tu penses qu'il va être de combien? De 1. Okay. De Didi. Beautiful day! Direct du stade, quelques heures avant le match, une heure même pas avant le match. Dans un stade de baseball, Maren Park. Je me trompe pas. Ah, bon. Le stade c'est énorme. C'est énorme. Retour à l'hôtel. Photographe de l'équipe. Ouais. Retour à l'hôtel. On a perdu 3-1 contre la Colombie, malheureusement. On a pris un carton rouge. Hein. Non, il est pas en... On a fait 3-1, comme je dis. On a pris un carton rouge en première mi-temps. Ce qui nous a un peu freiné dans notre lancée parce qu'on avait fait un bon match. Et voilà, quoi. Je pense qu'on peut être content de notre prestation, même si on a perdu. Qu'est-ce que t'as pensé du match? J'arrive pas à dormir. T'as pensé quoi du match? Frérot, j'ai même pas joué. Mais tu fais partie du groupe, t'es avec nous. Chacal, je regarde même pas le match. Là, je te même derrière. Mais là, t'as une périscope, frère, arrête de filmer. Oh! Chacal, tu veux faire une oreiller, toi? Attention! Le belet, qu'est-ce que tu dis? Comment la gestion, un peu quoi? Non, vraiment, en mode scène. Et comme il a fait? Ouais. Attends.
Voir la gestu là. Avec ce petit bras. Bran, petite gestu. Bran, petite gestu. Fais nous voir la gestu. Oh oh. Oui. Ah oui oui. Ah oui oui. Ça se lève quand même. Ah ouais, je te sens bien là. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est chaud comme neuf. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it. I flew to LA, got a plug on that OG. You know I been getting money, if you know me. When I first met my plug, I told him I pissed 100 G.